bien, Ted. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que Baldur était le fils de Freya? Mais oui! Je suis surpris à chaque fois que je l'entends, et pourtant, je le sais. Mais quand je pense à Baldur et Freya, je... Ymir? Oui, mon enfant? Freya. Y a-t-il, mon frère? Ted, dis-moi quel est le point faible de Baldur. Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Hé, qu'est-ce qui se passe? Un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait. Vraiment? Mais oui! C'est l'évidence même! Je ne me souviens depuis quand? Quand elle a eu ma tête entre les mains, ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur? Mimir! Oui, moi? Tu peux la fabriquer. Est-ce que c'est une arme? Une armure? Ou le genre de matériel de guerre dans lequel je suis pour ainsi dire le meilleur? Non? Alors n'y compte pas. Même si je voulais fabriquer une telle babiole, je risquerais de débrécher mes outils en forgeant une chose si délicate et si féminine. Alors martèle-la. Damasse l'objet avec des scories renforcées, affine les couches au maximum et superpose-les. Ok, gros malin. Et où est-ce que tu penses pouvoir trouver un éclat de cette qualité? La dernière fois que j'en ai vu un... C'est pas vrai, c'est vraiment... Où t'as trouvé ça? J'ai dû me salir les mains. Reste pas planté là. Allez, au boulot. Mais ça ne te dérange pas de travailler sur autre chose qu'une arme? Bah, pourquoi pas? Quoi? Moi aussi, je peux changer. Hé, protège ton dos. Détends ton poignet. C'est toi qui vas te détendre. Allez, plus de température! Chaudement? Tu vas renforcer cet acier encore longtemps? J'ai pas besoin de ça. Je l'ai trempé 3 fois dans l'huile de drogueur. Oh. Tu vois? Très astucieux. Et hygiénique. Tu es malin comme un singe. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Hein? Tu l'as dit. Fini. Et voilà. Oh! N'oublie pas ça! De sourire bêtement. Ça me perturbe. Ça fait plaisir de vous voir réunis. Mais la rune de votre marque a l'air différente. C'est ce qu'il en coûte de reforger une chose cassée. Je le savais. Vous vous adorez. Oh, arrête ton cirque, ça. J'aime encore plus la nouvelle. Pas vous? Nous n'avons pas que ça à faire.